Je préfère croire que ne pas croire. Je ne gagne rien à ne pas croire. En ne croyant pas, je ne gagne rien. Mais en croyant, je peux gagner quelque chose. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quelqu'un dit amen. Amen. Oh, quelqu'un dit amen bien. Amen. Quelqu'un dit amen très bien. J'ai besoin de tes amens pour savoir que tu as compris avant que je j'avance. Est-ce que je parle à quelqu'un? Frère, c'est l'école de la foi. La marche avec Dieu, c'est la marche de la foi. Israël est sorti de l'Égypte vers Canaan. C'était la marche de la foi. Tout avec Dieu, c'est la marche de la foi. Tu ne peux pas réussir avec Dieu sans la foi. Tu ne peux pas accomplir des exploits sans la foi. C'est ta manière de croire qui fait la différence. Nous avons tous les mêmes privilèges. On nous a accordé les mêmes privilèges. Mais chacun, la différence, c'est ta manière à toi de croire. Alléluia. Amen. Ta manière de croire. Comment tu crois? Jusqu'à quel point tu crois? Il y a des problèmes pour lesquels tu te dis, bon, ça Dieu peut faire. Mais on ça, je ne sais pas si Dieu peut faire. Regarde ton voisin, dis-lui, Dieu peut tout faire. Je ne t'entends pas, regarde ton voisin, dis-lui, Dieu peut tout faire. Frère, Dieu peut tout faire. Je préfère croire que ne pas croire. Je ne gagne rien à ne pas croire. En ne croyant pas, je ne gagne rien. Mais en croyant, je peux gagner quelque chose. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu ne deviens pas insensé parce que tu crois. De toutes les manières, la sagesse de Dieu est folie pour le monde. Il y a des moments où le monde peut croire que tu es fou. Alors que pour Dieu, tu es sage. Crois. Et crois seulement. Alors de quoi, n'ajoute rien dessus. Mais pour bien croire, il faut connaître la parole. Il faut connaître les promesses. Il faut connaître les privilèges qui t'ont été accordés. Il n'y a plus de malédiction. L'acte dont les ordonnances te condamnaient a été premièrement effacé. L'acte. Puis on a déchiré l'acte. Toutes les dispositions de l'acte ont été effacées. Toutes les clauses ont été effacées. Oui, on a déchiré. Est-ce que tu crois en ça? Je pose la question, est-ce que tu crois en ça? Est-ce que lorsque la sorcellerie de ta famille agit dans ta vie, est-ce que ton est-ce que tu vas continuer à croire ce que la parole dit? Est-ce que tu vas croire la réalité que tu vois? Lorsqu'un oncle t'a promis de te t'a dit tu vas voir, tu vas voir ce que je vais te faire. Tu vas voir, je vais te prouver. Et que la nuit tu commences à le voir. Et quand tu l'as vu, tu te réveilles avec la fièvre. Je te pose la question. Vas-tu croire à la parole de Dieu? Est-ce que tu vas croire à ce que tu as vu? La troisième chose. Parler de domination, de principauté. Il les a livrés en spectacle. Il les a dépouillés. En les livrant en spectacle. Le clouant à la croix. Ce qu'il a fait à la croix. C'était livré en spectacle des dominations, les principautés. Il n'y a aucune organisation. Il n'y a aucun pouvoir. Il n'y a aucune domination. Il n'y a aucune maison. Loge. Confrérie. Ça s'appelle la Rose Croix. Ça s'appelle la Maïkari. Ça s'appelle la sorcellerie de ton village. Quel que soit le nom, il n'y a rien qui soit au-dessus de Christ. Rien que Christ n'a pas vaincu. Il a tout vaincu à la croix. Non, je n'ai pas entendu ton amen. Je dis, il a tout vaincu à la croix. Non, tu n'as pas encore dit amen. Je dis, il a tout vaincu à la croix. Frère,
Ndeko. Quel que soit ce que tu verras. Atako ni doko quel que soit ce que tu vas vivre. Atako ni doko même si tu le vis dans ta chair. Atako ko comme si tu le vis dans ton sommeil. Atako ko comme nous n'a d'auto. Christ a vaincu. Yesu alonga ki. Il n'y a aucune domination. Sous la terre. Dans les abîmes. Sur la terre. Dans les lieux célestes. Qu'on appelle cela des mots de mer. Qu'on appelle cela des mots des airs. On appelle cela des mots je ne sais pas de quoi. Christ a vaincu à la croix. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'ai dit Christ a vaincu à la croix. Ne l'oublie jamais. Il a dépouillé. Il a ravi toutes les forces. Il a ravi la force des dominations. Si un occultiste te dit, tu verras, je vais te démontrer. Dis-lui, moi aussi, je vais te démontrer. Lui va te démontrer ce qu'il connaît. Toi aussi, démontre-lui ta foi. Démontre-lui ce que toi tu connais. Toi, tu sais que leur pouvoir, leur domination ont été dépouillés à la croix. Ils n'ont plus rien. Dis avec moi, ils n'ont plus rien. Ils n'ont plus rien. Dis, ils n'ont plus rien. Frère, la sorcellerie de ta famille n'a plus rien. Je me pose la question si j'étais entendu. J'ai dit la domination, la sorcellerie de ta famille n'a plus rien. Est-ce que j'étais entendu? Je vais répéter. Non, j'ai dit la sorcellerie de ta famille n'a plus rien. Tu sais, quand j'étais enfant, quand j'avais 6 ans, un jour j'ai entendu des gens dire. Et l'autre est bon, Maramoutou, comme ça, on l'a déjà. On habitait ma tété. Tu as enfant dans ma tété. J'habitais chez mon oncle. Les enfants n'est pas nos Konanga. Parce que on avait, la famille avait déménagé. Et comme mon oncle était toujours à ma tête et que j'étudiais, c'était pendant l'année scolaire, je suis resté à ma tête. Et un jour, je suis assis devant la pharmacie. J'ai entendu des grandes personnes discuter. Et il y a un véhicule qui voulait cogner quelqu'un. À l'époque, on avait des taxis jaunes comme aujourd'hui. Alors, la personne a fouillé et puis motona la personne a échappé. Et l'homme est bon, on l'a déjà. Alors, ça me troublait. J'ai dit, ah. Et l'homme est bon, on l'a déjà. Et l'homme est bon, on l'a déjà. Tu sais, en tant qu'enfant, j'ai presque cru. Ils étaient en train d'ironiser pour dire que les gens n'ont pas peur de véhicules. Moi, je ne comprenais pas. Comment cette histoire-là? Ça peut cogner quelqu'un. Et tout à moteur. Tu vois, j'étais un enfant, je me posais la question. Là, c'était une ironie. Mais ce que je te dis, c'est une réalité. C'est une vérité qui peut devenir réalité dans ta vie. C'est une réalité. C'est une vérité. La sorcellerie de ta famille, l'occultisme, toutes ces choses-là n'ont plus leur pouvoir. Leurs pouvoirs ont été dépouillés à la croix. Christ les a humiliés à la croix. Je préfère croire à la parole de Dieu. Même si un occultiste me dit, tu verras, je vais te jeter une maladie. Et le matin, je constate que j'ai la maladie. Je vais continuer à dire ce que la parole dit. La parole dit, ils ont été dépouillés. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. C'est ta foi qui te fera triompher. Alléluia. Amen. Notre victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qu'est-ce que ta foi dit? Je pose la question à quelqu'un. Qu'est-ce que ta foi dit? Garde ta foi jusqu'à la fin. Quoi qu'il arrive, garde ta foi. Quel que soit ce que tu vois. Vous savez, nous touchons la même Bible. Nous touchons la même Bible. Nous écoutons le même message.
Nous lisons la même Bible. Mais nous n'allons pas vivre la même chose. Nous n'allons pas vivre la même chose. La différence, c'est ta foi. Ta manière d'appréhender ce que Dieu a dit. Ta manière d'appréhender la vérité. Crois jusqu'au bout. Regarde ton voisin, dis-lui crois jusqu'au bout. Dis-lui crois jusqu'à la mort. Crois jusqu'à la mort. Crois jusqu'au bout. La vérité doit rester vérité, frère. Que Dieu te bénisse. 1 Jean chapitre 5. C'était 1 Jean. Chapitre 5, verset 4. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Toi, tu es né de Dieu. C'est pourquoi tu es esprit. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Depuis ta nouvelle naissance, depuis la foi en Christ, tu es né de Dieu. Et ce qui est né de Dieu est appelé à triompher du monde. Mais ce qui fait que ce qui est né de Dieu triomphe du monde, c'est notre foi. Et ça ne continue pas biso. Notre foi. Et ça continue pas biso. Je dis à quelqu'un, tu vivras. Je dis, tu vivras. Oh, je dis encore, tu vivras. Je dis encore, tu vivras. Oh, je dis, tu vivras. Et tu proclameras que Jésus est le Seigneur. Tu proclameras les merveilles de Dieu. Tu diras, Dieu est bon. Personne ne croira en ta place. C'est ta foi. C'est ta foi qui te fera vivre la parole. C'est la foi qui manifestera la véracité de ce que Dieu dit. Tout ce que tu as appris depuis le Kodim, si tu as eu la grâce d'être à l'Ekodim, comme nous autres, tout ce que tu as appris, tu le vivras. Si tu crois, seulement si tu crois. Seulement si tu crois. Il y a des choses qui resteront des témoignages que tu entends. Et toi, tu ne vivras pas. Parce que toi, tu crois jusqu'à un certain degré. Et pour d'autres choses, tu refuses de croire. Tu dis c'est trop difficile. Oui, la foi est difficile. La foi n'est pas simple. La foi n'est pas facile. Et la foi fait souffrir. Regarde ton voisin, dit la foi fait souffrir. La foi fait pleurer. La foi fait pleurer. Parce que je vais te poser la question, Seigneur, pourquoi moi? Autour dans ça, mais autour là, pourquoi tu dois me prouver jusqu'à ce point? Il faut un mécanisme. Est-ce que ça c'est toujours une épreuve ou c'est une tentation? Mais comme frère, la foi fait pleurer. La foi fait souffrir. Or la Bible dit, le juste vivra par la foi. Tes réussites passeront par ta foi. Tes succès passeront par ta foi. Tes exploits passeront par ta foi. Laisse-moi avancer, j'y reviendrai. Hébreux chapitre 11, verset 13. J'aurais voulu vraiment qu'on lise tous les chapitres 11, tous les chapitres 12 et tous les chapitres 13. Un jour, Dieu nous donnera le temps d'enseigner sur tous les livres des Hébreux. Hébreux chapitre 11, verset 13. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts. Sans avoir obtenu les choses promises. Ouvre bien tes oreilles. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts. Sans avoir obtenu les choses promises. Quelqu'un peut se poser la question, mais c'est quoi alors la foi? Parce qu'ils n'ont pas obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus et salués de loin. En confessant qu'ils étaient étrangers et résidents temporaires sur la terre. Je reviendrai sur ce verset. Mais comprends juste ce qui est écrit. Ils ont cru. Ce passage fait suite à l'énumération
vaillant de la foi. Bazota lisa tableau ya les héros de la foi. Bilombe kati na on les cite un à un. Batanga bango on cite Abraham, on dit Abraham. Il a fait ceci parce qu'il avait Sarah cru. Qui pointe, qui. Sarah a eu un enfant parce Sarah, qu'elle avait cru. Pointe, qui. Telle a vécu ceci parce qu'elle avait cru. Sarah qui pointe, qui. Telle est partie sans connaître la terre où il allait parce qu'il avait cru. Pointe, on a cité tous ces héros là. L'autre a été enlevé au ciel parce qu'il avait cru. On les a cités. Et on est arrivé jusqu'à Moïse. On a dit Moïse a refusé d'être appelé fils de la fille de Pharaon parce qu'il avait cru. Il a refusé de vivre dans l'opulence, de vivre dans la richesse parce qu'il avait cru. Il a accepté de souffrir avec ses frères parce qu'il avait cru. On cite tous ces gens et on arrive à ces versets, on dit ils sont tous morts dans la foi. Mais voici, il y a un problème. C'est que les choses qui ont été annoncées, qu'ils ont entendues, les promesses, ils ne les ont pas vécues. Mais ils les ont vues de loin. Et ils les ont salués. Toujours dans leur foi. Tout en croyant qu'ils étaient passagers, pèlerins sur la terre. Que ce n'était pas leur cité. Ils avaient l'espérance d'une autre cité. Mais ils ont cru. Je vais aller plus loin. Dans les cas. Hébreux 11. Je lis à partir du verset 32 jusqu'à 40. Et que dirais-je encore? Quand le temps me manquerait. Et que dirais-je encore? Quand le temps me manquerait. J'ai dit, car le temps me manquerait. Si je passais en revue Gédéon, Barak, Samson, Jephté, David, Samuel et les prophètes, ce sont d'autres vaillants de la foi. Mais le temps me manquerait de les citer tous et d'expliquer ce qu'ils ont vécu. Qui par la foi vaincirent des royaumes. Ces hommes-là, par leur foi, ils ont vaincu des royaumes. Frère, la différence, c'est la foi. Touche ton voisin. Dis-lui ce qui fait la différence, c'est la foi. Dis-lui, tu peux écouter une bonne parole. Dis-lui ce qui fait la différence, c'est la foi. Qu'est-ce que la foi? La foi vaincre de royaume, exercer la justice, obtenir des promesses, fermer la gueule de lion, tenir la puissance du feu, échapper aux tranchants de la paix, de reprendre des forces après avoir été malade. Mais pourquoi Dieu a laissé qu'il tombe malade? Non, ils sont d'abord tombés malades. Mais il pris de force après avoir été malade, furent vaillants à la guerre et mirent en fuite des armées étrangères. Des femmes retrouvèrent leur mort par la résurrection. D'autres furent torturés et n'acceptèrent pas de délivrance afin d'obtenir une résurrection meilleure. La foi est terrible. D'autres éprouvèrent les moqueries et les fouets. Bien plus, les chaînes et la prison. C'est en ce moment-là qu'on te pose la question. Où est ton Jésus? Qui vient te délivrer? Comment tu cries comme ça? Comment tu pleures, tu souffres comme ça? On te chicote. Mais ils continuent à croire. Malgré que la délivrance n'est pas arrivée, ils continuent à croire. C'est à quoi? Quoi ils ont cru est vrai. Oh ben dis-moi là qu'est-ce qui a solo. Que Jésus est puissant. Il est plus fort que tout ça. Ça m'a cassé quoi les canyons ou wana. Alléluia. Amen. D'autres éprouvèrent les moqueries. Oh, frère, si tu es enfant de Dieu, ne crois pas que ta vie sera une vie où tout le monde va t'acclamer, va t'apprécier. Tu vas prier Dieu. Tu vas dire Seigneur, comment on est la manzambe? Tala ba paye bazo entourenga comment on est rocholama. Ato sameli nengwana. Yaga na mama comment manzambe rocholama. Yayo na libose rocholama. Yayo. Ba rocholanzambe na yo.
Frère, c'est ça l'épreuve de la foi. Regarde ton voisin, dit Ocholama. Ocholama. Ah, il a refusé. Ah boy, Andy Mangote, mais bah Ochola. Il a refusé ça. Regarde notre voisin, c'est lui là. Regarde notre voisin, dis-lui, Ocholama. Ocholama. Dis-lui, même Jésus n'a pas Ocholama, dis-lui. Frère, c'est ça la vérité. Et ça, solo. Faut pas aller écouter des aventuriers qui te prêchent. Qui te disent, quand tu es venu en Jésus, c'est fini. Mensonge. C'est pourquoi tu auras honte de pleurer. Quand il faut pleurer, pleure. Ceux qui connaissent la là. Quand il faut crier, fais quoi? Ceux qui connaissent ganga, ganga. Ils furent lapidés. Au nom de la foi, ils furent quoi? Nicolas Contima, Bamba Bango Mabanga. Où était leur Jésus? Yesu Bango Salaki Wapi. Où était leur Dieu? Nzambi Bango Salaki Wapi. Ils furent lapidés, mis à l'épreuve, sciés, bamosu ba sciés bango, ba katié na si, sciés. Ils furent tués par l'épée. Baboma ba susu na mopanga. Ils allèrent ça et là. Bazaki ko yenga. Vêtus de peaux de brebis et de peaux de chèvre. Balati ba poso ba mbi ba mbi ba. Ils ont manqué de tout. Bazanga kinyoso. Opprimés, maltraités. Bazbacheki bango mopanzi bazoni yoko. Et dont le monde n'était pas digne. Et pa yobi na libosa mokili bango na bango bazama la mukute. Errant dans les déserts, les montagnes, les cavernes. Na kati na mabulu na mabanga. Et les antres de la terre. Pe na kati ya mabulu na 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 sana mabele. Et tout cela, qui avaient reçu par leur foi un bon témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur avait été promis. Car Dieu avait en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parviennent pas sans nous à la perfection. Il faut que tu comprennes les deux derniers versets ici. L'apôtre Paul veut simplement dire, parmi les choses qui leur avaient été données comme promesses, il y a des promesses qui ne les concernaient pas mais qui nous concernaient nous. Et devaient mourir, se reposer, attendre que nous on voit ces promesses et que nous puissions monter ensemble au ciel. Ils ne pouvaient pas vivre ces promesses là sans nous, comme la promesse d'aller à la rencontre du Seigneur. Il devait se reposer là-bas pour nous attendre, parce qu'on verra le Seigneur ensemble. Mais ils ont cru. Ils n'ont pas vécu. Mais ils ont cru. Et leur foi les récompensera. Frère, écoute-moi. Ta foi, lorsque tu exerces ta foi, comme lorsque tu donnes ton offrande, comme lorsque tu es fidèle à Dieu dans les dîmes, lorsque tu as sémé, tu veux vivre la récolte, tu veux vivre la moisson. Frère, ces choses-là ne se font pas selon les règles du monde. Ça se fait selon Dieu, selon sa volonté, selon son amour. Tu ne récolteras pas forcément le jour que toi tu veux ou le jour que tu attends, mais un jour tu récolteras. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? J'ai dit un jour tu récolteras. Et il y a des choses que tu sèmeras sur la terre, mais que tu récolteras aussi. Je n'ai pas entendu ton amen. Non, amen. Les gens n'aiment pas ça. Et dans les églises, on ne dit plus ça. On dit toujours, donne, tu verras. Non, il y a des choses que tu sèmeras sur la terre, mais que tu rencontreras seulement au ciel. C'est Jésus qui parle. Il dit, faites-vous dans les cieux des trésors qui ne s'usent pas. Des trésors là où la teigne ne détruit pas. Là où il n'y a pas de rouille. Faites-vous des trésors dans les cieux. Monétisation qu'on a la tête. Il y a aussi des trésors que nous allons rencontrer. Dans les cieux. Mais que toi-même tu t'auras fait. Ça ne sera pas un cadeau, ça sera toi. Tu as mérité ça sur la terre. Tu as semé sur la terre. Et tu vas récolter là-bas. Dis à ton frère, c'est ça la parole. Il touche le dis, c'est ça la parole de Dieu. Frère. Alors, lorsque tu sèmes, sème avec espérance. Lorsque tu aimes, aime avec espérance. Toute bonne œuvre que tu feras,
avec espérance. Sache qu'un jour le ciel te récompensera. Soit tu vivras la récompense sur la terre, soit dans les cieux, mais ta récompense tu la rateras pas. Même un verre d'eau que tu donnes à quelqu'un qui prêche de porte en porte, de porte à porte la parole de Dieu, ce verre d'eau là, pour ce verre tu recevras ta récompense. Tu recevras ta récompense. Hébreux chapitre 12. Nous sommes encore en train de lire, je ne suis pas encore entré dans le message. Hébreux chapitre 12, verset, je lis à partir du verset 1. Et nous irons jusqu'au verset 9. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. Et les témoins dont on parle ici, la grande nuée des témoins, ce ne sont pas les gens qui sont avec nous. Ce sont ces morts dont on vient de citer. Ce sont ces témoins-là. Tous ces morts-là. Abraham, Sarah, Barak, Samson, tous ces hommes de foi, nous sommes environnés de tous ces témoins. Toi, femme qui a 45 ans, tu dis je suis atteint la ménopause, je ne pourrais plus avoir des enfants. N'oublie pas que Sarah est là. Sarah est témoin. Sarah t'environne. Sarah est assise dans les gradins. Quand tu es sur la piste de la course, mais Sarah est assise sur les gradins. Sarah te regarde. Sarah te dit, moi j'ai eu l'enfant. Maman, à 90 ans. La carrière dans laquelle tu es venu, tu n'es pas la première. Moi, Sarah, je suis là. Alors, cours sur la piste. Je suis là. Moi, à 90 ans, si tu crois aussi, ceux qui sont à 50 ans, tu pourras avoir. Les gens comme les Sarah ont souffert à cause de nous. Les gens comme les Sarah ont été des offrandes pour nous. Afin que nous sachions que Dieu peut tout faire. C'est ce que ce verset 12, ce verset 1 de Hébreu 12 veut dire. Puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau. Et le péché qui nous enveloppe si facilement. Et pourquoi il appelle le péché ici fardeau? Tout ce qui ressemble au péché, il appelle ça fardeau. Tout fardeau est le péché qui nous environne. Parce que sur la piste où tu dois courir, si tu veux vivre ce que maman Sarah a vécu, tu veux vivre ce que Abraham qui est sur les gradins a vécu, tu veux vivre ce que Samson qui est sur les gradins a vécu, débarrasse-toi du péché. Parce que ça te rendra lourd de courir. Tu ne sauras pas courir. Tu ne sauras pas vivre ces choses-là. Débarrasse-toi. Sinon, tu n'arriveras pas. Ce qui était au comaté. Les yeux fixés sur Jésus. Mais son nom est à la caille. C'est ça la foi, frère. Les yeux fixés sur Jésus. Qui est l'auteur de la foi. Et qui l'amène à la perfection. Il est l'auteur de la foi, il l'amène à la perfection. Au lieu de la joie qui lui était proposée, il a supporté la croix. Frère, la foi passe par la souffrance. La foi, c'est faire un choix de ne pas accepter la facilité, de ne pas accepter la réalité qui s'impose à toi, mais de prendre le chemin de la souffrance. Le chemin de la souffrance, mais toi tu connais ce qu'il y a au bout. Tu sais qu'il y a une joie au bout. Tu sais qu'il y aura des acclamations au bout. Tu sais que tu entreras dans le royaume des cieux. Tu sais que tu marcheras sur des rues pavées d'or. Tu sais que Christ t'ascensera. Christ lui-même Christ lui-même dira, entre dans la maison de ton père, tu as vaincu. Tu sais que tu seras habillé d'un habit de blanc. Tu porteras une couronne. Tu auras une pierre sur laquelle sera écrit ton nom. Celui qui vaincra sera vêtu de blanc. Son nom restera dans les livres de vie. C'est parce que tu le sais que tu choisis ce chemin. La foi fait souffrir. Regarde ton voisin, dit la foi fait souffrir. La foi. Refuser d'avoir ce qui est facile aujourd'hui, mais d'avoir ce qui est plus grand demain. C'est aussi ça la foi.
C'est ça la véritable foi. Tu préfères épouser un païen parce qu'il a l'argent. Est-ce que tu sais qu'à cause du mariage, il y a des gens qui iront en enfer? Est-ce que les gens aiment bien prendre le verset de Paul qui dit le non-croyant sera sanctifié par le croyant. C'est vrai. Mais quel croyant peut sanctifier le non-croyant? Toi, tu es quel type de croyant? Et tu vois là, c'est une affaire où les gens s'étaient mariés, ils étaient païens. Et là, c'est converti. C'est pas une affaire où toi, tu es chrétien, tu vas chercher un païen. Non, là, tu n'as pas la foi. Tu as pris les païens parce que tu ne crois pas que si tu laisses les païens, un chrétien viendra. Si tu as la foi, convertis-les alors avant. Qu'il soit réellement converti et que cela soit attesté par tout le monde. Pas toi-même tu dis ah non, je l'ai déjà converti. Parce qu'il peut faire semblant. C'est pas la foi, frère. Ici, c'est verset de Paul. Parle plutôt des gens qui étaient païens. L'un s'est converti, l'autre est resté païen. Mais la personne qui est convertie a une foi tellement ferme qu'il sanctifiera les païens. Mais toi, tu t'es marié. C'est bien que c'est un païen. Oui, mais là, moi, il arrive, la Bible dit que la femme soit soumise. Et moi, ça, il te dit ne va pas à l'église. Tu m'écris, tu m'appelles. Tu me dis, pasteur, voilà, c'est mon mariage. Quelle réponse tu attends? Je te dirais, obéis à ton mari. C'est toi-même qui t'es mis dans cette situation. Tu seras obligé d'obéir à ton mari. Et tu vas t'éloigner du feu petit à petit. C'est comme le bois qu'on a éloigné du foyer. Qu'est-ce qui va arriver? Le bois va s'éteindre. Là-bas, le feu va continuer à bouillir la nourriture. Ici, le bois va s'éteindre. C'est ça que tu vas devenir. Tu vas t'éteindre petit à petit. Souvent ça fait tellement mal. Mais il faut que je trouve assez de force pour rappeler ça aux gens. Même quand ils souffrent, il faut que je te rappelle. Parfois j'ai tellement pitié. Tu avais conseillé quelqu'un, tu l'avais dit. La personne n'a pas entendu. Mais là quand on commence à lui donner des coups de poing, il dit on m'a tapé. On m'a tapé. On m'a tapé. Il faut que je trouve assez de force maintenant pour te dire. Il faut la samakache et ah, on t'a tapé parce que tu ne voulais pas entendre. Ta bête pour être koyoka. Si ça t'arrive toi, prochainement, les autres, je n'ai pas pu les rappeler. Je me rappelle d'une soeur qui venait me chercher à midi. Vous m'écoutez ne fût-ce que 5 minutes parce qu'elle ne pouvait pas venir à l'église. Elle ne pouvait plus bénéficier de nos conseils. L'homme la faisait souffrir. Et elle devait profiter à 10h, 11h, 12h. Quand elle va au marché, elle prend le produit, je vais au marché de l'Upen. 10h, 11h, elle quitte le voie, dit je vais au marché de l'Upen. Mais quand elle arrive à l'Upen, elle dépasse, elle vient vite dans la cité verte. Je suis venu voir même pour 5 minutes. Voilà, il y a ça, ça. Tu étais en paix. Tu t'es créé des problèmes toi-même. Parce que tu n'as pas eu la foi. Pour tout ça, qui conduit. La foi d'attendre un chrétien, tu l'as pas seulement la foi de convertir un païen. Laquelle est plus difficile? Laquelle de foi est plus difficile? Convertir quelqu'un, ça ne dépend pas de toi. Il faut que son nom soit dans le livre de vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Convertir quelqu'un, ça ne dépend pas de toi. Toi, tu as quoi? Convertir quelqu'un. Il y a mais la foi d'attendre un homme. Qu'est-ce qu'on dit marco cela mobile dit moi ça toi tu peux le faire c'est ton rôle. Marco cela mo walande mo sala na yo. Est-ce que je peux avancer? Amen. Il a supporté la croix. Andimaki kulusu. Méprisé la honte. Bachola qui est. Non, il a méprisé la honte. Ah, amona ki sonye loko pamba. Ya. Il a méprisé la honte. À mon avis, ça n'a rien à voir. Frère, si tu as la foi, il faut mépriser la honte. Et c'est assis à la droite du trône de Dieu. Verset 3. Considérez en effet celui qui a enduré de la part des pécheurs une telle opposition contre sa personne, afin que vous ne vous fatiguiez pas. Si on vous parle de Christ de cette manière, c'est pour que vous, quel que soit ce qui va arriver, que vous ne vous fatiguiez point. L'âme découragée.
Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang. En combattant contre les péchés. Si vous avez la foi, vous allez combattre les péchés. Vous allez vous opposer. Vous allez résister au diable. Parce que vous savez votre, quel est l'objet de votre espérance. Tu as la foi. Mais il dit, vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang. Christ a combattu le péché jusqu'au sang. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme des fils. Comme à des fils. Mon fils, ne prends pas à la légère la correction du Seigneur. Ne te décourage pas lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur corrige celui qu'il aime. Et frappe des verges tout fils qu'il agraye. Supporter la correction. C'est comme des fils que Dieu vous traite. Quel est le fils que le père ne corrige pas? Mais si vous êtes exempt de la correction à laquelle tous ont part, alors vous êtes des bâtards et non des fils. Parce que si vous êtes fils, vous avez la faveur d'avoir l'amour du père. On doit vous corriger comme les autres enfants. Si vous voyez un enfant, on ne le punit jamais. Quoi qu'il fasse, c'est qu'il n'est pas un enfant véritable de la maison. On ne veut pas le voir réussir. Mais un enfant que le père aime, le père va le corriger. Le père va le punir. Que Dieu bénisse sa parole. Oh, je disais que Dieu bénisse sa parole. Je disais que Dieu bénisse sa parole. C'était juste la lecture de la parole. J'ai cette chose à dire ce matin. Après cette longue lecture, j'ai cette chose à dire. Prends ton stylo et note cela. Si quelqu'un croit, je t'attends. Prends ton stylo et ton cahier. Si quelqu'un croit, une, la première chose, il tiendra pour vrai la parole de Dieu. Quelle que soit la réalité qu'il fait. Ça c'est la première chose. Si tu crois, ceux qui ont dit, tu tiendras la parole pour vrai. Même si ce que tu vis est contraire à ce qu'on t'a annoncé. Même si ce que tu vis est contraire à ce qu'on t'a annoncé. La parole restera la vérité. Même devant la mort. La parole restera la vérité. Shadrach, Meshach et Abednego. Devant le roi le plus puissant du monde. Nabucodonosor a dit, si vous n'adorez pas la statue, je vais vous tuer. Vous allez mourir. Vous allez mourir. Vous allez brûler dans le feu. Attisez le feu. Attisez le four. On a chauffé le four 7 fois. On a dit à Shadrach, Meshach, adorez maintenant. À un signal, adorez. Sinon vous allez mourir. Voici ce qu'ils ont répondu. Ils ont dit, oh roi, vis éternellement. Nous te donnons tout le respect qui te fait. Qui t'es dû en tant que roi. Mais écoute roi, nous n'adorerons pas la statue. Nous n'adorerons pas la statue. Notre Dieu est capable de nous délivrer de ton feu. De ton feu. Mais écoute-toi. Même s'il ne nous délivre pas, nous n'adorerons pas ta statue. Frère, c'est ça la foi. Quelle que soit la réalité. Et même si la réalité c'est la mort, la foi doit triompher toujours. Nous n'adorerons pas. Notre Dieu peut nous délivrer. Mais même s'il ne nous délivre pas, ce n'est pas un problème. Ok. Ce n'est pas un problème. Maman Flora, tu peux venir? Viens, maman. Ne pose pas de questions. Cours. Même s'il ne nous délivre pas, nous, nous allons croire. Quelqu'un m'entend? Quelqu'un m'entend? Tu me suis bien? Maman, viens ici. Quelqu'un me comprend? Je vais avancer. Deuxième chose. Ça, c'est la première chose. La parole reste la parole. Elle ne doit pas changer.
même si la mort est devant toi. Deux, si quelqu'un croit, il sera prêt à souffrir pour sa foi. Il sera prêt tous les jours à souffrir pour sa foi. S'il faut lutter contre les péchés jusqu'au sang, il le fera. Ce n'est pas un problème pour lui. Mais il sait que la foi fait souffrir. Si Dieu veut se servir de lui comme un matériel didactique, parce qu'il veut prêcher les autres, Dieu veut lui faire vivre des choses terribles, parce qu'il sait que lui va croire et il va triompher. Alors Dieu le fera vivre ces choses-là, afin que les autres qui sont prêts suivent l'exemple de la foi, qu'ils soient édifiés par sa foi. La foi passe parfois par la souffrance. Quelqu'un a dit amen. Non, quelqu'un a dit amen. Très bien. Si quelqu'un croit, il sera prêt à souffrir pour sa foi. Il sera prêt à souffrir. Troisième chose, la mort ne l'arrêtera pas. C'est la troisième vérité. La mort ne l'arrêtera pas. Ce n'est pas la mort qui l'arrêtera. Même en train de mourir, il va continuer à croire. Un jour, on a arrêté Étienne et on l'a lapidé. Alors pendant qu'on les lapidait, il avait les mains levées, les yeux vers le ciel, en train de voir Dieu. Il dit: je vois Dieu, je vois Jésus assis à la droite du Père. Alléluia. Amen. Ça, c'est ce que la parole dit. Lui le voyait debout à la droite du Père. Il dit: je le vois debout à la droite du Père. Comme vous dites, normalement il doit être assis à la droite du Père. Mais pour moi, pendant que vous me lapidez, lui est debout. Il est à l'œuvre. Mais comment il est à l'œuvre? Toi tu meurs quand même. Comment il est à l'œuvre? Mais toi tu meurs. Et il est en train de mourir dans la joie. On les blesse. Les pierres le cognent. Il saigne. Mais il continue à adorer Dieu. Il dit: je vois Christ debout à la droite du Père. Quelqu'un dit amen. Et très bien. Frère, la foi est plus puissante que la mort. Regarde ton voisin, dis-lui: la foi est plus puissante que la mort. Oh, ta façon de le dire ne me convainc pas. Touche ton voisin, dis-lui: la foi est plus puissante que la mort. Non, lève-toi s'il te plaît, va dire à cinq personnes: la foi est plus puissante que la mort. Dis-le au moins à cinq personnes: amen, merci. Kondima yebisaye, kondima eleke nguya. Kondima eleke nguya. La foi est glorieuse plus que la mort. Kondima etonda kembo koloka. La foi est terrible, elle triomphe que la mort. Kondima elonga kaliboso ya kufa. Ce n'est pas la mort qui arrête la foi. Eza kufa tende ko telemisa kondima. Quatrième chose. Ya minei. Quatrième vérité. Solo ya minei. Si quelqu'un croit, soki moto andimi. Le temps ou la durée n'arrêtera pas sa foi. Le temps ou la durée n'arrêtera pas sa foi. Même si la promesse traîne, il va garder la foi. Il va continuer à croire. Même si ce que Dieu a dit, il ne le voit pas exactement, il va continuer à croire. Je pensais que tu allais dire amen. Oh, je pensais que tu allais dire amen. Écoute-moi, frère. Même si tu reçois une prophétie, on te dit au mois de juillet ici, 2019, tu vivras telle chose. Tu arrives en juillet, tu vois pas ça. Tu arrives en décembre, rien. 2020, rien. Frère, si tu crois que Dieu t'a parlé, tu vas continuer à attendre. Tu vas continuer à croire. Habakkuk dit: cette prophétie est certaine. Écrivez-la. Gravez-la. Sur le
pierre. Parce qu'elle va s'accomplir. Et elle s'accomplira certainement. Mais Abakou continue en disant, si elle tarde, si elle tarde, attends-la. Alors qu'avant de dire cette phrase, il avait dit une autre phrase. Il avait dit, c'est une prophétie dont le temps a été fixé. Comment une prophétie qui a un temps fixé? Faut-elle l'attendre encore? Comment faut-il attendre une telle prophétie? Il avait dit à Abraham, ta postérité sera esclave dans un pays étranger. Ils feront 4 siècles là-bas, 400 ans. Après quoi je les délivrerai? Mais quand les 400 ans sont arrivés, ils étaient toujours esclaves. 410 ans, esclaves. 420 esclaves. C'est à 430 ans qu'ils sont sortis. Ils ont cru, malgré que c'était 430 ans. Ils ont accepté de suivre Moïse. Quelqu'un dit amen. Amen. Si c'est la parole, dit amen. Ce que Zali loba loba amen. Ce n'est pas la durée. Qui tuera ta foi. Je parle à un vaillant de la foi. Je parle à un héros de la foi. Ce n'est pas le temps qui tuera ta foi. Oh, tu acceptes d'épouser un magicien? On dit Miko Bala Mobali à Soloka. Tu n'as plus la foi, tu dis je commence à vieillir. Olobi na komi ko nuna. Si j'attends encore, est-ce que je pourrais avoir des enfants? Soki na zeli sous 18 ans que betelanga na kobota ndenge nini? Répète ça maman. Soki na zeli baninga bazoki na tongo nga poko ezo pusana na kobota ndenge nini? Répète encore. Baninga babala ki na tongo nga 12h 13h 18h ngoyo na zo bala te. 18h. Zo li bala ndenge nini? Ya 18h a boyi. Amen. Mais il n'y a pas de bonheur aux alentours, il y a 18h. Voilà. Amen. Tu as manqué tellement la foi que tu as pressé. On s'en a qui et puis demain, tu commences à chercher à condamner les gens. Lobby, au comment Luca on ne vous savait que ce n'était pas bien, pourquoi vous n'avez pas interdit? Oh, tu voulais tellement. Si c'est pour Dieu que tu te marieras pas, où est le problème? Tu as tellement attendu, tu as atteint 50, 60 ans, 70 ans, tu meurs, on t'atteint. Mais où est le problème? Tu as fait ça pour Dieu. C'est ta foi. Tu auras une récompense pour ta foi. Dieu n'oubliera pas ta foi. Ça, je sais que tu n'aimes pas ça. C'est pourquoi tu refuses de dire amen. Mais c'est la vérité. Le temps ne doit pas arrêter ta foi. Tu ne dois pas ébranler ta foi. 5. Yamitano. Si quelqu'un croit, la correction de Dieu ne le découragera pas. Ne le fatiguera pas. On oublie de dire aux gens dans les églises que Dieu frappe. Dieu châtie ce qu'il aime. C'est un père aimant. S'il ne te châtie pas ce qu'il ne t'aime pas, Dieu châtie ce qu'il aime. Et ça, on ne prêche pas dans les églises. Je vais ouvrir une parenthèse ici. Dans les églises, on ne veut même pas dire aux gens que l'église a le droit de punir aussi les gens. Vous avez fait de l'église du Seigneur une école privée. Une école où on cajole les enfants. Même quand l'enfant a échoué, on lui donne quand même un 5 sur 10. Parce qu'il ne faut pas qu'il échoue, qu'il redouble les classes. Non, même à l'école privée, il faut que les enfants prennent des classes aussi. Mais tu vois, nous, on était dans les écoles conventionnées. Dans les écoles de l'État. Même avec 54%, tu reprends. 55 au bandeli. Au boy que ça m'occupe là. Et personne n'est parti, on restait là. Tu as 54,5. On a 54,9. Tu reprends l'année. Au bandeli na yo classe. Moi, la seule fois où j'ai repris l'année, frère, j'ai repris l'année avec 54%. On a bandé la classe, mais la même moko, on est à 54%. J'ai monté le bulletin à mes parents. Na la kisi bulletin à tata. Tu as sur le bulletin, tu as réussi. Na bulletin aux yeux, 54. Mais à la fin, la bonne équipe, échec. Na souka kuna rouge au bandeli.
Même si, comment on appelle ça, le comportement, comment on appelle ça? Attaque aux disciplines. La conduite. On dit conduite très bien. Tu reprends. Au reband de la classe. Tu as conduit très bien, mais il faut avoir 55. Conduite, c'est ça, très bien. Sinon, tu ne montes pas de classe supérieure. Sinon, tu es au combat à quelle cité? Ça, c'est quand on veut vous donner une bonne formation. Quand on vous aime. Même à l'église, on punit. Tu vois comment ton amène est. Un amène matinique. J'ai dit, on punit même à l'église. L'église, c'est pas une école privée, non? Tu viens à l'église. Frère, tu engrosses une femme, on te suce. Nous, on a grandi dans des églises. Tu engrosses une fille de la chorale, du protocole. On te livre à Satan. Séance tenante en plein culte comme je suis là. Levez vos mains. Nous allons livrer ces frères à Satan. On lit les versets. Livrez-les au diable. Qu'il soit châtié. Que le diable touche sa chair. Satan a si passionné là. Cela produise en lui. Hein? Tout ce que la Bible dit là. On déclare. Frère, quand tu vas sortir là, ça te commence. Tu n'as jamais vu. Moi, j'ai déjà vu la malédiction. Comment on maudit quelqu'un? Comment il est maudit? Il commence à vendre tous ses pantalons. Tu avais la veste et tu vends. Frère, après 2 mois, vous vous rencontrez les frères. Si ma sœur mi balé au moni, ndeko pantalon comme il donne. C'est ça, c'est des pantalons, c'est des pantalons. C'est quoi exactement? Non, c'est tout ce qui lui reste. C'est la malédiction à l'église. Il a des babouches la gomme avec des fusibles. Vous connaissez les fusibles, non? Avec des fusibles. Ici, pied gauche, c'est une babouche verte. Pied droit, babouche noire, de bleu. Vert, na bleu, alors tambo là. Et il commence à trouver ça normal. Parce que la malédiction a touché même sa tête. Il commence à prendre les mains à l'aube tous les jours, frère. Enfin, c'est la vérité, je te dis. Et là, la femme est enceinte. Hein? La famille de la femme aussi lui a donné la femme. Mais dans quelle galère? C'est quand l'enfant naît maintenant qu'on commence à réfléchir maintenant à l'église. Quand on monte à porte de l'église, ça se trouve bien. Quand on vole en déco, on peut être à comme une assiette. Commence à circuler puis un jour vous venez encore à l'église. Les pasteurs se lèvent. Il appelle les frères. Passe ici. Déco mobile il est calme. Bonsoir. Les cambangoul à l'équi. On dit à la fille, toi tu passes. Allez, ne commence si on peut les cas. Elle passe. À l'équipe. On dit, est-ce que vous les avez pardonnés? D'abord, on explique l'affaire. Allez, babette, non, l'histoire. Parce qu'il y a peut-être une année, il y a des gens qui ne connaissent pas. Et on explique. Et puis on dit, est-ce que vous êtes d'accord qu'on puisse les réhabiliter. To zongi sa bango penza, to zongi sa bango. Oui, d'accord. Eclèse ndimi maboko likolo, ba bondeli souko na bango. Allez bokenda sika na kimia na nkolo. C'est ça l'église du Seigneur. Yango anande eclèse na nkolo. Je comprends ton amen faible. Amen. C'est ça l'église du Seigneur, frère. Yango anande eclèse na nkolo ndeko. Mais toi, quand tu vas voir ça dans une église, tu dis, hey, ma église, mi kolo yo. Non, c'est toi qui ne connais pas l'église. Tu n'as été que dans des écoles privées. Tu ne connais pas vraiment une école. Tu commences à critiquer sur les réseaux sociaux. Ko tonga na Facebook. Commence à parler. Or, quand tu parles là, tu pêches et Dieu va te punir. La malédiction qui est sur cette personne va tomber aussi sur toi. Tu n'as pas dit amen. Amen.
Alors la correction de Dieu ne te découragera pas si tu as la foi. Sache que Dieu te châtiera. La Bible dit ton péché t'atteindra. Beaucoup de gens savent pas que elle a péché ou elle a mouqué par rapport à Fimoros. Amen. Amen. Les gens ne savent pas. Il est content de pécher. Alors il va vous prêcher la grâce tout le temps. La grâce, la miséricorde, la grâce, la grâce, la grâce. Tu prêches trop la grâce parce que tu es un pécheur. Alors tu parles tout le temps de la grâce. Tu te justifies tout le temps. Même dans tes prédications, tu veux te justifier. Mais n'oublie pas, je te rassure, ton péché finira par t'atteindre. Quelqu'un qui se sanctifie, frère, ne vis pas la même chose que toi. Il y aura toujours une différence. On ne vous trompe jamais. La, même une maison qui craint Dieu, tu verras toujours la différence avec une maison qui ne craint pas Dieu. Dieu ne se manifestera pas de la même manière. Là où on craint Dieu, Dieu se manifeste autrement. Ça sera toujours différent. Les fruits de la sanctification n'est pas le même fruit que les fruits du péché. On va te prêcher miséricorde tous les jours. On va te prêcher la grâce tous les jours. Non, Jésus vous a déjà pardonné. Même si tu pèches, ça ne fait rien. Oh non. Non. Tu ne perdras peut-être pas le salut. Mais ça fera quelque chose. Un jour, j'étais quelque part, je disais aux gens, c'était le serviteur de Dieu. On causait, je leur dis, tu pleureras un jour. Répète ça. Répète encore. Tu finiras par pleurer. Que ce soit en public ou en secret, mais tu pleureras. Parce que le châtiment de Dieu finira par t'atteindre. Tu vas pêcher calmement bien là. Bien habillé, bien parfumé. Tu prends ton sac. Tu sais que tu vas pêcher. Tu vas calmement, tu vas pêcher. Attends. Et un jour, tu pleureras. Tu vas là-bas. Avant de pêcher, tu te rappelles bien que c'est un péché. Mais tu pêches quand même. Quand tu finis aussi, tu dis à l'autre, on a pêché, maintenant demandez pardon. Tu vois que Dieu c'est ton ami. Allez-vous commencer à demander pardon, Seigneur, pardonne-nous. Des aventuriers. Vous allez pleurer. Les péchés en tant que païens. Mais les péchés aussi en tant qu'enfants de Dieu. Même les péchés en tant que serviteurs de Dieu. Celui qui a péché en tant que serviteur de Dieu, il peut bien t'expliquer le péché. J'ai dit tu pleureras, rassure-toi, je sais ce que j'ai dit. Tu pleureras. Mais tout ça c'est l'amour de Dieu. C'est l'amour de Dieu pour toi. Il ne te ratera pas, il te chicotera. Même quand tu étais enfant, on ne t'avait pas assez tiré les joues et les oreilles. Il va te tirer les joues, les oreilles. Tu pleureras. Les gens ne sauront pas pourquoi tu pleures. Mais toi, au fond de toi, tu sors. Parce que le Saint-Esprit te rappellera ton passé. Il te rappellera ce que tu avais fait. Ça ne ratera pas. Ça ne ratera pas. Mais c'est l'amour de Dieu. C'est un signe que le Père est toujours avec toi. C'est un signe que le Saint-Esprit ne t'a pas quitté. Il était attristé. Maintenant, il t'éduque. Le châtiment était est une éducation. Écris cela. Comment le châtiment est une éducation. Il t'éduque. C'est de l'amour. Et ça, bolingo. Alors que ta foi ne s'ébranle pas. Parce que Dieu t'a châtié. Que ta foi ne s'ébranle pas. Continue à l'aimer. Continue à croire. Tu vivras ce qu'il t'a promis. Tu vivras ce qu'il t'a promis. Même s'il te châtie avant, tu vivras ce qu'il t'a promis. Ce qu'il t'a promis va arriver. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à un enfant de Dieu? Est-ce que je parle à un sauvé? Je dis ce qu'il t'a promis, tu le vivras.
kayango. Mais les châtiments avant. Kase tumbe ko ya liboso. Parce qu'il va corriger tout le temps où tu as manqué la foi. Pwete akolengi sa ko bongi sa tango nyoso zanga ki kondima. Mais tu vivras. Kase ko bika. Ta récompense. Li futi na yo. Si tu crois. So ki yondimi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit? Ezana moto andimi. Oh, je posais la question à l'église. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit? Il faut croire. Esengeli yondima. Ya motoba. La Bible dit. Biblia lobi. Le juste vivra par la foi. Moyenge benako bika na nzela kondima. Donc si quelqu'un croit, wana soke motandimi, il saura akoyeba que tout passera, tout de bien dans sa vie passera par la foi. Et nyonso ya malamu ko komen na bomo ina yekoleka na nzela kondima. Le juste vivra par la foi. Moyenge benako bika na nzela kondima. Ça veut dire quoi? Elikoloba nini? J'ai toujours expliqué ça aujourd'hui, je vais dire ça autrement. Lelo na kolimbo lango na olenge mosusu. Je vais l'expliquer par un verset de la Bible. Na kolimbo lango na qui dit, Elobi, si méchant que vous êtes, wanabino batoma beo bozali, c'est-à-dire les pères terrestres, les pères terrestres, Elobi batata oya mokili, si méchant que vous êtes, mabe o vous savez donner des bonnes choses à vos enfants. Boye bakako pesa biloko kitoko na bana bino. Quand il vous demande un pain, tango akosenga yo lipa, vous ne donnez pas un serpent. Soki moketo ko pesa nyoka. Lorsqu'il vous demande un œuf, soki apesa liki, vous ne leur donnez pas une pierre. Soki moketo ko pesa libanga. A plus forte raison votre père qui est dans les cieux. Kasi boni boni koleka tato ya bino azana lola. Votre père qui est dans les cieux aime plus que les pères terrestres. Tata na bino ya lola alinga koleka tata ya mokili. Alors comment j'explique par ce verset là? Lorsque Dieu veut te donner un œuf, tu auras l'impression qu'on te montre une pierre. Lorsqu'on veut te donner un pain, ou un poisson, tu auras l'impression que c'est des serpents qu'on te montre. Mais c'est par ta foi que le serpent deviendra poisson. C'est par ta foi que la pierre deviendra un œuf. Je vais le redire autrement. Souvent les opportunités de Dieu viennent en forme de problèmes. Les exploits viennent en forme de calamité. Mais c'est ta foi qui fera de cette circonstance un exploit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il n'y aura, on ne parlera jamais de guérison par le nom de Jésus s'il n'y a pas de maladie. On ne dira jamais, oh, c'est un témoignage puissant de guérison s'il n'y a pas une maladie puissante. On ne parlera jamais d'exploit s'il n'y a pas une calamité. Les témoignages de ta vie, les témoignages qui touchera des gens, les témoignages qui convertira des gens, passera par ta souffrance, ta douleur, un problème qui va tomber dans ta vie. Tu dis, pourquoi tu as fait ça à Dieu? Pourquoi tu peux me faire ça? Même les gens autour de toi regardent, ils disent, non, Dieu n'aime pas cette personne. Non. Non. Dieu t'aime. Il attend ton exploit. Je dis, il attend ton exploit. Je parle à quelqu'un, je dis, il attend ton exploit. Il veut voir ta manière de t'approcher de lui. Il veut voir ta manière de croire en lui. Il veut voir ta manière de le chercher. Est-ce que tu sais comment on cherche Dieu? Il y a des choses, frère. Il y a des choses qui ne trouveront pas de solution si tu ne cherches pas Dieu. Laisse-moi le dire autrement. Cette femme syrophénicienne, elle perd le sang. Non, la syrophénicienne, c'est celle qui a amené sa fille auprès de Jésus. Sa fille est tourmentée. Elle doit être guérie. Mais cette femme, kasi moi si oyo, croit andimi qu'elle aura la guérison. Et ta biko. Jésus lui dit, yes, il n'est pas bon de prendre les peines des enfants et de donner aux petits chiens. Au lieu de se considérer injurié, au lieu de considérer que ça sert à rien, parce que la seule personne qui pouvait m'aider, voilà comment il me répond. Elle continue à croire. Si elle arrête, la guérison n'arrivera pas. Cette fille mourra. Mais parce qu'elle a la foi, elle n'a
n'arrêta pas. Elle a continué. Elle s'est battue, elle a plaidé. Elle a touché à ce que Jésus avait dit. Elle a réformé cela. Jésus lui a dit, les enfants ne donnent pas aux petits chers. Elle travaille sur l'intelligence. Elle dit, mais ça tombe bien. Mais Rabouni, ça tombe bien. Parce que même si les petits chers n'ont pas droit au père, mais ils mangent quand même les miettes qui tombent de la table. Je crois que je suis une petite chère. Ma fille est une petite chère. Les miettes suffisent, je n'ai pas besoin de ton père. Donne-moi ces miettes. Si tu me donnes les miettes, ça me suffira. Jésus regarde. Jésus dit, oh femme, ta foi, ta foi. Et pourtant Jésus avait dit, je suis venu pour les brebis égarées d'Israël, ce n'est pas pour les étrangers. Il y a eu une exception à la loi, à sa propre loi, la loi de Christ. Il y a eu une exception parce que quelqu'un a cru. Oh, j'ai dit à quelqu'un, crois. Oh, j'ai dit, crois. Si tu crois, tu vivras des exceptions. Non, j'ai dit, si tu crois, tu vivras des exceptions. Non, tu ne m'as pas entendu. J'ai dit, si tu crois, tu vivras des exceptions. Je ne parle pas des exceptions d'hommes seulement. Même les exceptions de Dieu. C'est la loi de Dieu. Mais ça va connaître une exception à cause de toi. Parce que tu as cru. Quoi? Même si une prophétie t'a dit, ça ne marchera pas. Tu vivras ceci, tu vivras cela. Mais ta foi peut changer les choses. Parce que ta foi peut toucher Dieu à changer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais j'ai comme l'impression que les gens ne me comprennent pas. J'ai dit, ta foi changera même la décision de Dieu. Tu m'as compris maintenant? Amen. Même la décision de Dieu changera par ta foi. Si tu crois fermement, les justes vivra par la foi. C'est la foi qui validera les exploits dans ta vie. La foi. Alors, quelque chose que la foi doit valider, ça vient sous quelle forme? Sous forme de problème. Sous forme de difficulté. 7. Sambo. Si quelqu'un croit, c'est mon dernier point. Si quelqu'un croit, il saura que les vaillants de la foi, les héros de la foi, étaient des hommes comme lui. Amen. Tous les héros de la foi étaient comme toi. Toi, tu as la grâce d'aller écouter la parole tous les jours. Et n'écoutez pas la parole de Dieu tous les jours. Mais ils sont devenus héros. Parce qu'ils ont cru. Moïse a cru. Tous les restes ont cru. La Bible dit que Elia était de la même nature que nous. Mais il pria avec instance. La pluie s'arrêta en Israël pendant 3 ans et demi. Et il pria encore avec instance. Et la pluie tomba en Israël. Il a prié avec instance. La Bible dit, il était de la même nature que toi. Il avait les mêmes dieux que toi. Si quelqu'un croit, il saura que ce que Elie a fait, lui aussi peut le faire. Je comprends pourquoi il n'y a pas de amen. Si quelqu'un a la foi, il saura que ça dépend de lui. Ça dépend de lui-même. C'est ce que Pierre a fait. Il peut aussi le faire. C'est ce que Jean a fait. Il peut aussi le faire. Si tu crois, tu sauras c'est quoi la foi. C'est que la foi peut accomplir dans la vie d'un homme. Tu le sauras. Et tu sauras que ce que Elie a fait, c'est seulement une manière d'approcher Dieu. C'est seulement une manière de chercher Dieu. Mais moi aussi, je peux le vivre.
moi aussi je peux le faire. C'est faisable. Regarde ton voisin, dis-lui c'est faisable. Dis-lui c'est faisable. Qu'est-ce qu'il dit? Allo Binin. Il a dit amen. Ayanoli amen. Il a dit toi aussi tu peux le faire. Yebisa yope okoki ko sala yango. Dis-lui toi aussi tu peux le Yebisa faire. Yebisa yope okoki ko sala yango. Dis-lui Daniel n'a pas été mangé par les lions. Dis-lui. Loba Daniel e banko si balia kayete. Dis-lui toi aussi tu peux le faire. Yope okoki ko sala yango. Il croit? Andimi. Est-ce qu'il croit ou il fait Est-ce un sourire bizarre? Toi, c'est qui, kaka? Il croit en ça? Andimi liango. Ce qui est arrivé à Shadrach, Meshach, Abednego. Oye, comme elle a qui Shadrach, Meshach, Abednego. Dans le four, ils sont pas morts. Na moto bakufa kike. Dis-lui toi si tu peux le faire. Yo pe okoki ko sala yango. Dis-lui tu es de la même nature que eux. Loba yo sana lo lenge moko na bango. Dis-lui mais fais va dans leur direction, va seulement dans leur direction. Fais ce qu'ils ont fait, tu deviendras comme eux. Dis-lui ça. Bango basala ko koma lokola bango. Kota na nzela na bango. Sala lo lenge moko na bango. Yo pe ko sala ko koki sa makoko. Elohim bénisse sa parole et qu'il bénisse sa parole abondamment. Apambola liloba na ye ya ko fuluka. Je pensais que tu acclamais Jésus. La bande que ça combattait là hier sous ma boco.